Cool, nous voici sur Seven Days to Die pour le jour 57. Donc on est au lendemain, et il est 18h, c'est vrai que j'ai fait plein de trucs, il est pas 10h du matin du tout. Regardez ce que j'ai fait. Ah, ma tourelle, j'ai oublié là-bas, il me semble. Ma tourelle. Ah, il me semble que je l'avais pas, ma tourelle. Qu'est-ce que c'est ce repère là-bas à 3,8 km? Que j'ai mis moi à 3,8 km là-bas. C'est ma maison qui brille en jaune comme ça? Future base, pourquoi c'est jaune tout ça? Passe-t-il? Ah, c'est celui, c'est parce que je l'ai montré. Ok, donc notre future base qu'on a commencé à construire, la horde qui est passée, le stuff qui est rempli, la première journée qui est bien passée parce que justement, je me suis occupé donc de... Faut que j'en mette en azertique de tous mes inventaires. Oh, ça fait bizarre, ça change de raft. Le 4x4 doit être vide. Pas du tout. 4 est plein. Et la moto, elle est vide. Pas du tout. Elle est pleine de toute l'électricité de la base. Là, j'ai plein de bouffe. J'ai des crochets, j'ai un peu de sous. J'ai de quoi build. Et il va me falloir du bois sur place. Voilà, on en était là. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les sous du marchand déjà. Jamais. Je vais prendre le colt du coup. Et je vais prendre deux bonbons comme ça. Je vais prendre un peu de miel. Et ça, tout ça, je vais le laisser. On va prendre l'essence. Et on est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a le plein dans la moto? Normalement, il me semble que j'avais fait le plein. Ouais, elle est pleine. Oh, ça me fait bizarre là de changer de raft. Le gameplay n'a rien à voir. C'est tellement plus rapide dans raft. Ok. Allons faire un petit coucou aux marchands. Et après, on se barre dans notre nouvelle maison. C'est vrai que j'ai mon super casque militaire maintenant en plus. Yes, le style avec le cigare et tout. Let's go, baby. Donc build, 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 build. On a toute la semaine là, ça va. On va jouer à déco. Est-ce que je me prendrai pas tous ces petits bois là qui sont les uns à côté des autres qui vont pas me faire chier? Par contre, ai-je fait l'erreur de ne pas prendre ma tronçonneuse sur moi et de la laisser peut-être dans le 4x4 sans que j'ai regardé évidemment? Là, elle n'y est pas. C'est pas... On va faire ça à la hache. Hache. Hache en acier. 9h37, comme ça on va rouler de nuit jusqu'à la maison. Ah, bien vu, Nurox, merci. Attendez, je fais ça en 2-2. Change le nom du jeu. Ouais, parce que tuer des zombies sur Raft, ça va faire bizarre à ceux qui veulent voir ce que je fais. Pas comprendre. Et on est à 4 km. Hein. Vivement qu'on ait l'autogire, mais bon, au fur et à mesure, on n'aura plus besoin de venir à cette base de horde. 4 km de notre future base pour la horde, faut avoir vraiment tout le bon matériel pour venir le sort de la horde, faut rien oublier quoi. 4 km, tu fais pas l'aller-retour comme ça. Ah, oh, le titre écrit en QWERTY, merci mec. Merci de faire l'effort de sortir de l'ombre et de m'informer de ces petites erreurs de streamer amateur qui joue en QWERTY. Zombie killing. Là, c'est Wombi. Zombie killing and building, c'est bon. Merci mec. Ok. J'aurais pas dû... Ah mais non, je suis obligé de mettre pause. J'aurais la stamina qui aurait remonté. On a pas mal. Et ouais, j'ai le 4x4. Salut Famous. On va pas le prendre là. On a fait des allers-retours. En fait, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que je me suis mal démerdé, hein, évidemment. Je m'excuserai, les bons joueurs. Mais j'aurais dû... Pas faire le 4x4, dépenser les points autrement, parce que là j'ai rushé le 4x4 pour en fait pas m'en servir. Parce que le déménagement, ben en fait je suis en train de build avant de faire le déménagement. Donc j'aurais fait la horde, j'aurais pris d'autres niveaux et j'aurais pu faire le 4x4 après. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'ai des points de horde à dépenser? 3. Et on va partir, on va vraiment rusher ça là. On va vraiment rusher l'intelligence pour remonter des points. Parce que là, quand je vais être bricoleur, 20% plus rapidement et ça me coûtait moins cher. Et c'est l'électricien qu'il faut que j'ai. Électricien, c'est ça qu'il faut que j'ai parce que les pièges électriques vont me rapporter de l'XP. Donc voilà, je vais vraiment rusher ça là. Et là, il faut être niveau 6, il me semble. Voilà, donc niveau 6, il coûte 2 points. Donc autant vous dire qu'on va en mettre quelques points finalement ici. Je crois. Non, le titre a dû changer. Oh, Spocky Spocky, comment il va? Des bisous. Non, non, le titre a dû être changé, hein. Rafraîchissez.
Ok, là ça doit être fait par contre. C'est peut-être parce que vous avez raison, merci. Merci les gars, merci. J'avais pas validé. Allez, un dernier pour la route et on va chez le marchand. D'ailleurs, je vais m'équiper de ça. Ça. Ça fait bizarre de changer de gameplay. Ref, faut que tu laisses appuyer. Et quand tu lâches, boum, ça change. Est-ce que là, faut appuyer, réappuyer. Mais ce jeu, il n'y a rien à redire. Hein. Ni sur le gameplay, ni sur l'équilibrage, ni sur le farming. Franchement, bon, bah, au bout de 19 alpha, espérant qu'un jour, il sorte en bêta. Mais en tout cas, le jeu est vraiment bon. Tu wombises. Et OVNI. Allez, Cassos. Je crois qu'on y est allé après la horde, je me souviens plus, ça fait quelques jours. On a des petits bonbons à lui acheter déjà. Yeah, what do you want? Let's go, on n'a pas trop faim là, c'est bon, on n'est pas trop mal, hein. C'est vrai que j'ai remangé et tout. Franchement, c'est pas si pire. Déjà, mais si on va lui acheter quelque chose, on le pointe déjà la gueule. Et est-ce qu'on fait des missions? Non, on se met rien ici parce qu'on va aller loin. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Ah ouais, j'ai déjà eu son inventaire, il me rappelle quelque chose. Plan du moteur. J'aimerais bien trouver une modification de hache. Ouh, les grenades de contact. On a le chasseur, vous avez toujours un dégât supplémentaire aux humains, on s'en fout. J'aimerais bien donc trouver... Ah, est-ce que ça je l'ai sur ma tronçon? Je vais prendre au cas où. Trouver la modification de hache de pompier. Voilà, si j'arrive à finir mes phrases. Combien de motos? 9000. Quelques pièges à fléchette. All that damn gawking at goods and that's all you buy? Ok, ça j'en ai pas forcément besoin parce que tout en a. Et on l'aura de côté. Ah, ça je l'ai là-dessus. J'ai vraiment surtout quoi. Ah, je peux pas le mettre là-dessus. Non, il n'y a pas de modif. Pas de modificateur sur ça. Ok. Donc, on va ranger toi. Et toi. On va tège. Ah, j'ai pris ça moi. Pourquoi j'ai pris ça? Mais quel gland? Ah non, je l'ai pris pour là-bas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, pas de gland du tout. C'est malin. C'est malin, c'est malin. Et ça, au cas où on ira looter sur place, on va prendre, on en a pris un peu. Ok, bon. C'est parti pour la balade. Alors, c'est la route, hein. On prend la route, on prend la route. On arrive à la future base. Et sinon, là, c'est quand on fait tout le tour. On va pas faire le tour par là. Le plus court, ça reste quand même de passer par ici. Let's go, baby, on rentre à la maison. 4 km. On a de l'essence, on a tout ce qu'il faut. C'est parti. Oh. Non, on va pas faire les oufs hein, du raccourci. Même si on pourrait passer par là. On pourrait quand même passer par là, mais là après c'est un peu chiant. Quoique il y a des chemins. Ça va vraiment être plus court. Bon, on va suivre la route. Il va y en avoir pour 5 minutes. Voyons. Voyons pour combien de temps on en a. Il y a 9 minutes d'enregistrement. Yihou! Et cette petite maison en plus là. Elle est franchement pas mal du tout là. Je me souviens quand on a commencé à. On en est. Après qu'elle soit effondrée deux fois. On commence à en être à un stade intéressant.
Ça m'a fait mal. Bon, j'ai arrêté de m'arrêter à tous les zombies. Je vais arrêter de m'arrêter, ok? J'ai des clous. Oh là là, qu'est-ce que j'étais malin, j'ai pensé à tout. Hein? Ah purée, c'est vrai, c'est pas comme Raph. C'est pour ça que j'ai pas réussi. Faut pas laisser appuyer, faut recliquer. On va y arriver, on va y arriver petit à petit. Attendez, je vais mettre juste ça là. Ah, c'est chiant, c'est pas du tout pareil. Ok, arrête de te plaindre, Ronito. Le poulet. Attendez, j'ai pas pris chasseur hein, dans cette partie. Dans mon autre partie, j'ai pris pisteur animalier, mais là, je l'ai pas, ok. Il me faut ce poulet. Vous l'avez vu? Ça, c'est pas un poulet, par contre. Chier. Bon, je vais pas le chercher. Je m'en arrêterai sur un autre. Là, je vais me trouver dans les... Dans les... Tant pis, j'en trouverai un autre. Bon, là, je vais armer le pistolet. Au moins, si on en voit d'autres, on est direct prêt à les bousiller. Le pistolet à clous. Elle est horrible, cette mission, là. C'est trop longtemps que je l'ai, en plus. Bon, enfin, on a le pistolet à clous et des clous sur nous. Petit, petit poulet. Alors, c'est là où on pourrait penser un peu à bifurquer. Bon, on a déjà fait tout. Ah, non, allez. Ben c'est là où je peux passer tout droit. Mais à quoi bon prendre des trop grands raccourcis? Ouais, si, quand même, on voit la route là. Allez, let's go! Salut, Prisma. Salut, salut les gars, salut. Bien le bonsoir, merci de faire un petit coucou alors qu'il y a les events et des dizaines de milliers de personnes qui y vont. Et d'être là ce soir. Voilà, dédicace! Je vous offre ce zombie. Sur un plateau de moto pour vous remercier. Oh, le petit sauteur, vous l'avez vu? Il y a du monde sur la route, dis donc. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils espèrent croiser des touristes. Ils ont faim. Je pense que si on pouvait revoir un poulet, ce serait vraiment bien. Tuer 5 poulets, je vais en avoir pour 1000 ans à faire cette émission. Ouais, ça va aller vite. Ça va aller vite et surtout on dépense moins d'essence. Ouais. Ouais, après, je comprends qu'on puisse avoir des avis critiques sur ce genre de regroupement. Mais c'est bien, ça permet à des petits de devenir plus gros en tout cas, surtout ça quoi. Ça crée une communauté, mais bon, ça bouffe un peu le... C'est plus difficile de trouver des petits talents et des trucs qu'on aime bien face à... au poids que ça pèse en termes de visibilité sur un événement. Peut-être qu'ils arrivent à faire parmi. Ok, c'est bon, on est 4. On va y batailler. C'est des zombies. Je vais me faire un peu de viande, mais tant pis. Il me casse. Ouais, voilà. Après, en termes d'amusement, c'est sûr que ça fait quelques créations cocasses avec tous les sub-goals et tout. Mais bon, en termes de pognon offert et... Finis-nous du pognon, nos petits streamers, on est autant dans la merde que... que Amnesty International. Elle est belle, cette maison. J'en ai passé 4 millions. 4, t'es sûr? J'ai regardé tout à l'heure, c'était 2 et quelques. Ah ouais? Ah, je vais me tromper, c'était peut-être 3 et quelques.
qu'il y a un marchand ici, non? Salut mon petit GG, comment il va? Gros bisous. J'ai longtemps quand t'as pas eu dans le coin. Oh GG. J'ai longtemps quand t'as pas vu dans le coin. Il vient plus aux soirées. $1 400 000 de t-shirt, ah ouais. Oh merci mec. Calme-toi, calme-toi. Il est ouf. En balle. GG. Gros bisous mon GG. GG qui balance 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bits. Il est ouf. En plus, je vais changer la notif des bits bientôt là. J'ai trouvé les petits sons. GG, GG. Merci mec. Bisous. Oh, mais j'ai jamais passé par ce coin du village en plus. Il est ouf. Il est dingue. Mec. Oh là là. Merci gros. Eh ben. Tu devrais revenir plus souvent quoi. Merci en tout cas. Du jeu qui donne pas aux events mais qui donne aux petits streamers. C'est ça, c'est la bonté. Alors par contre ici il y a un marchand. Merci beaucoup mon GG. C'est vrai qu'on a cette petite route qui se termine mais qui reprend l'autre. C'est parfait, hein. Vous voyez la route finalement ça va. 9 minutes. 7 minutes, ça fait 8 minutes qu'on roule. La 9 minutes d'enregistrement, non, c'est pas 8 minutes qu'on roule si. C'est hyper long en fait. Non mais je me suis arrêté glandé, c'est pas possible, c'est quand même plus court que ça. Allez, bienvenue dans mon village. Je te prends de suivre le live. T'inquiète pas, je regarde toutes tes vidéos. Ah, merci mec. Il est là, il est présent. Présent dans l'ombre. Alors notre petite cabane, est-ce qu'elle prend forme? Est-ce qu'elle prend vie? Est-ce qu'on va trouver quelque chose de joli en revenant par ici? Déjà elle s'est effondrée deux fois, ne l'oublions pas. Deux effondrements parce que j'ai fait des erreurs de construction que j'avais pas fait sur celle que j'ai fait avec mon pote. C'est vrai que j'avais fait tous les blocs. Là je construisais sur les cadres seulement. Donc forcément c'est... Ah mais merde, c'est pas ici? Qu'est-ce que je branle? C'est plus où est ma maison? Elle est là. Elle est ici ma petite maison, regardez ça. Et ça, bah on va le laisser là, on s'en fout. Elle est là ma maison, elle est... Elle est là ma maison. Aïe. D'ailleurs ici sera peut-être le garage hein, au final. Hein. Et voilà ce qu'on a commencé à build. Regardez ça. Je vais vous dire que c'est pas simple. Hein. Là il y a du trick déjà pour arriver à faire tout ça. Là il y aura une future mine qui descend ici. D'ailleurs peut-être que je la rapprocherai, on verra. Là elle est à l'extérieur des poteaux, j'aimerais bien la mettre à l'intérieur des poteaux. Vu qu'on a tout cet espace, pourquoi pas les garder. Ma tourelle. Ma petite tourelle chérie, on n'a pas de munitions. Tourelle. Bien sûr que oui. Ok, bon et ben ça y est, on y est. On est prêt à build. Donc session de plusieurs jours hein, sur la VOD, on va pas faire des sessions d'une heure. Et beaucoup de bricoles à faire chez moi. Mais la mécanique, ah ouais, mais ouais, c'est cool. C'est cool d'avoir de la mécanique à faire toujours dans les quads. Bon. Là, j'ai mis des demi-blocs. Ah, mais c'est con d'avoir mis des demi-blocs. Que je peux rien poser par terre. Merde, oh la grosse connerie. Oh la grosse connerie, il faut que je remplace tout ça.
Ouais. Il va falloir tout casser, hein. Les gars, je vais tout casser et je vais mettre des blocs pleins. Pas le choix. Heureusement que j'ai du bois. J'avais pas laissé un coffre ici. J'ai pas l'impression. Un, deux. Oh là là. Je fais comme Raph, ça marche pas. Alors il y avait des formes qu'on pouvait donner avec ça, je sais plus c'était pour quoi faire. Ah ouais, c'était pour faire ça. Ah, je vais peut-être faire les poteaux en gros blocs. Bon, maintenant que j'ai tout build comme ça. C'est vrai que j'avais pas découvert qu'on pouvait faire ça avec ces blocs. Et ceux-là par contre, faut directement les mettre en... en béton. Mais par contre, je peux faire ça. Que je peux pas faire avec le bois. Et j'aurais pu faire ça tout le tour avec des gros poteaux. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie au final? Oh là là, là j'ai plein de choses qui me viennent sur le fait que je pourrais transformer plein de formes. Comment il a évité la balle. Il évite donc ça. Satané zombie. Un, deux, trois, quatre. Est-ce que je mets les... Ouais, je changerai au fur et à mesure si je veux vraiment changer. Déjà, là, faut que je refasse tout seul. Donc ça, je vais le garder pour vraiment quand j'en aurai besoin. Mais je vais sûrement utiliser ça pour ce genre de bloc-là. Et là, par contre, je vais devoir faire comme ça, parce que sinon, je vais rien pouvoir poser. Donc là, ça fera une marche. Après, tant qu'à faire, je pourrais peut-être même mettre ça. Hein. Tant qu'à mettre des petits escaliers, autant faire réellement des petits escaliers comme genre ceux-là. Ok. Alors est-ce que ça va tenir? Bon, et ben on a un petit peu de boulot de changement parce que j'ai fait une connerie de mettre ces dalles basses. Parce qu'on va pouvoir poser aucun meuble. On va pas tout péter parce que maintenant j'ai peur vraiment que tout s'effondre tout le temps. Et clic droit. Et non, clic gauche. Parce que maintenant on est sur 7 days to die. Ok, ici. Ah. Droit, hein, pas clic gauche. Et là, on va changer tout ce plancher. Et là, on va mettre ça. Alors, déjà, on va faire ça. Que ça, on va le transformer. Ah. On va mettre ça. Boum. C'est parti mon kiki. Et comme ça, ça nous fait des plus jolies marches. Ouais, ça va être sympa. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix parce que je m'y suis pris comme ça. Et c'est vrai que si je mettais cette forme... Je vais peut-être refaire ça. Hein. Je vais peut-être laisser le plancher à la même hauteur en fait. Parce que maintenant, du coup, c'est vrai que... Si j'ai ça... Ah mais là, j'en ai que 10. Et que je les mets là. Je vais pouvoir m'appuyer et avoir de la portée et donc faudrait que je fasse tout comme ça, tout le tour comme ça. Et là ça va pas être possible dans cet angle là. Il va falloir mettre un gros poteau. Et je peux mettre, je peux faire tout le tour comme ça, ce qui me permettrait de mettre ça un bloc en dessous.
bien nécessaire. 1, 2, 3, 4. 3. Un bloc plus bas. J'ai peur de tout faire et que ça me plaise pas et de devoir tout changer en fait. Le problème c'est que là je viens de partir et j'ai pas fait ces blocs là. Comment ça s'appelle ça? Bloc avec structure en fer à béton. Et ça se fait... Ah ça se fait à la forge, ça se fait pas à l'établi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais faire comme ça. Parce qu'au pire, j'ai juste le bois à péter. Et de toute façon, il faudra que je revienne avec plein de trucs comme ça. Il me faut une forge. Ah, j'aurais pu prendre une forge que j'avais là-bas. De toute façon, j'ai 3 forges, il m'en faudrait 4. Est-ce que je peux faire une forge? Il me faut l'établi, l'atelier. Forge. Faudrait que je loot un peu, je pourrais faire une forge. Ah, j'hésite à la faire un cran plus bas pour être tranquille pour la suite de la construction. Je la fais comme ça. Allez, let's go. D'ailleurs, je vais monter. C'est parti, mon kiki. Change tout ça. Oh là là, l'erreur. C'est quand même ennuyeux de se taper tout ça maintenant. J'aurais préféré avancer, mais écoutez. On apprend en jouant. Déjà ? Ouais, on va dire que ça va aller. Hein. Et là, je ferai 3 de hauteur, comme ça les deux bâtiments auront la même taille. On va tricher un peu. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai pas la tronçonneuse en plus? Est-ce que je l'ai laissé dans la voiture? Quel boulot. J'en sais rien. Bon, ça va aller vite quand même, ça va aller vite. Allez. Alors là, le projet est plus ambitieux que sur Raft encore parce que c'est plus complexe la construction là, vu que je fais des trucs avec les petits murs. Il faut que tout tienne. Sur Raft, tu peux construire, tu peux mettre un poteau. Ah non, tu peux pas construire dans les airs, faut mettre d'autres poteaux. C'est vrai qu'il y a quelques petites contraintes. Et ouais, il y en a un peu plus ici quand même. Et du coup, je connais moins le jeu, donc c'est plus ambitieux de construire là. Et le résultat va être vraiment sympa parce qu'il y a vraiment de la déco à faire avec la peinture après. C'est vraiment des trucs excellents et j'ai pas mal de petites idées pour les différentes pièces. Donc on va vraiment bien s'amuser. Mais pour ça, faut déjà commencer par avoir la structure de la maison, en fait, la coquille.
avant de commencer à penser à peindre et tout ça et faire les différentes pièces. Ouais, je suis en train de penser que je pourrais faire des... au niveau des forges, juste des dalles pour qu'on voit que le haut de la forge apparaître. Et non, j'ai d'autres idées. J'ai plein d'idées déco. On va faire des petits fours. Pas des petits fours à manger, mais des fours avec le bois à l'intérieur, mais qui sera caché, avec le feu de camp qui sera caché. Peut-être pas péter toute la ligne, là où ça s'effondre. J'ai peur que ça s'effondre maintenant, ça s'effondrait deux fois déjà. Tout laisser pareil pour le moment. Voilà. Du temps de faire des bêtises quoi et de réparer. Enfin, c'est pas des bêtises, c'est de l'expérimentation. Final. Oh là là, oh là là, j'ai peur. Pas que ça s'effondre, pas que ça s'effondre. Yes. Il va falloir miner un peu de bois parce que là combien on en a, 1500, on va quand même aller en miner. Il va falloir faire tout le haut de la pièce là. Hop. Ok, le plancher, c'est réglé. Maintenant. On va faire ça. Ça, on n'a pas forcément besoin. Le rêve, paradis. Maintenant, on va changer la forme de ça. Et vous voyez que c'est juste des barrières qui prennent un bloc. Donc, faut bien les mettre. Et là, on peut rien poser sur la partie blanche. Grâce à ça, on va continuer notre maison. Donc, tout ça, j'ai pas besoin d'en mettre, en fait. On va juste en mettre à partir d'ici. Enfin, là, en bas, de l'autre côté, j'ai pas besoin d'en mettre. C'est ça que je voulais dire. Les blocs sont pleins. On va juste mettre ça. Et là, je vais pas pouvoir. Et donc là, je peux le mettre contre. Ah, je peux le mettre contre ça. Ah, mais là, il y a que ça qui va le porter. Je peux le mettre là. Je peux mettre ça comme ça, mais il y a rien qui le porte en dessous. Alors, est-ce qu'il y a pas tout qui va se péter la gueule? Pas l'air. Ah non, là, ça tient. Ok. Donc, on va mettre en dessous. Et là, comme ça, ça va tenir. Normalement. Oh.
Donc là, je pourrais pas mettre ça. De toute façon, c'est que sur la partie haute. Mais là, je peux peut-être mettre un poteau comme ça. Comme ça et comme ça. Ah, ça me plaît pas trop ça, mais bon. C'est chiant que... Parce que là, je pourrais pas venir jusque là. Parce que là, ça, je vais pas pouvoir les mettre. Alors que là, j'aurais pu faire une petite ligne tout le long. Je peux faire tout le côté, ça peut être sympa. À moins que je mette pas de... Ah! À moins que je fasse comme ça. Si là, je le mets comme ça. Là, je vais arriver au-dessus de ça. Et ça, je peux poser ça sur ça. Normalement. Attendez, on va en essayer 2-3. On va faire tout le côté même. Ok, allons voir en haut. Ouais, je pense que ça va marcher. J'espère. On va voir. On va voir comment ça va marcher. Ok, Zombo Bonap. Ciao, ciao. Donc là, normalement, est-ce que je peux le poser là? Yes. Cool. Donc là, ça va tenir maintenant. Zombo, il me donne trop faim avec son McDo. J'ai tellement bouffé cet après-midi que je me suis dit que ce soir j'allais juste prendre un petit tanka. Et en fait, la balle maintenant qu'il me parle de McDo. Je me ferai peut-être une petite pause à 10h et j'irai chercher un McDo. Non, c'est vrai que je vais avoir la dalle et je compte bien jouer jusqu'à 1h ou 2h du mat ce soir, pépère. Tranquille le chat. Ah. Pourquoi je mets deux coups? What? Pourquoi je mettais deux coups là? Soupe épaisse de jambon en conserve, 5 minutes. Excellent. Et voilà, on a un problème. Chef, on a un problème. Comment faire? Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire, les amis? Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben on va changer les marches, tant pis. On va donc changer les marches pour pas avoir ce trou. Obligé. Et ouais, il va falloir trouver des solutions en toute façon. Nerve pas René. Ouais, mais pourquoi il m'aime pas dans le même sens? Ok. Je
Alors on monte. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et bravo. Ah, c'est la petite porte. Perdu. 1, 2, 3, 4. De vrais architectes. Allô? Ah là j'avais laissé pour mettre le poteau en mettant en l'envers, regardez ça comme c'est stylé. Yes, malin, malin comme un sphinx. Non, un lynx. Où est-ce qu'on a un poteau encore? Ok. Un, deux, trois, quatre. Et donc, faudrait qu'on change ces marches en petites marches. Donc ça, ce serait un bloc plein. Eh, mais je peux faire juste comme ça. Ah mais ouais, trop cool. Ah yes, je vais faire ça, voilà. Voilà, parfait. Solution trouvée, comme ça on laisse nos marches. Salut Megalita. Oula, il y a du monde là. Ah, très bien, merci. Où ils vont eux là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Et toi, 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 toi. Oh, tu touches pas à ma maison. Oh là là, c'est... Faut que je reprenne l'habitude. Oh, mais il y a du monde. Brûle. Allez, dégagez, dégagez. Qu'est-ce que vous faites chez moi là? Vous voyez pas que je suis occupé? Pars-toi. Satané zombie. On remonte. Voilà, impeccable. Ça fait une petite entrée, nickel. Continue. Balcon ici ou... Non, pas la peine, pas de ce côté-là. On verra où est-ce qu'on ouvrira. D'abord, je ferme tout, je fais une boîte. D'abord, on se met en sécurité. Tout à deux hauteurs, on va voir ce que ça donne un peu de l'extérieur.
Voyons ça. Voyons. J'espère que je saute deux blocs dans cette game. J'ai toujours rien pris en agilité dans mon autre partie. Alors qu'on est jour 75 ou comme ça. Oh, j'ai bien rattrapé mon autre partie là. Bon, ben ça va être nickel. Le petit balcon, on va le faire de ce côté là. Là, je pense qu'on va faire un garage ici. On pourra faire un passage qui... Quoique, j'en sais rien. Le garage, pareil, serait bien par là. Quoique, il faut un grand garage. Je sais pas, t'es. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous feriez le garage? Côté petit auvent? Côté poteau? Derrière? Et purée, on pourrait faire ça comme garage. Oh là là, les gars, on pourrait rentrer les caisses là-dedans. Ce serait terrible, en fait. Et là, avoir la partie maison principale et avoir une autre petite dépendance de maison, donc... Ça pourrait être le garage. Ah, mais j'ai tout construit dedans. Et ouais, non, j'ai déjà tout construit. Bon, vous allez me dire, je sais pas leur chance. Ouais, mais ça... Ah, attendez, ça, je l'avais reculé, on est d'accord. Hein. Ah ouais, voilà, ça, faut que je l'enlève. Ça soutient la maison, ça. Plus trop, mais il me semble que... Je saurais faire tourner Fortnite en 240 fois sur mon PC avec un Ryzen 9, une 2080 Ti et 64 Go de RAM. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ah, j'ai pas suivi. Où est la question en fait? Yes! Je crois que j'avais tout cassé. Ok, ça me plaît pas énorme, mais on va faire avec ça, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Ah ouais, non, j'en ai fait un de trop. 1, 2, 3, 4. Merde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un bloc trop. À droite de la maison, le garage. À droite, de manière isolée, alors. Juste un bâtiment à part. Avec... on pourrait peut-être faire un petit jardin avec un petit chemin qui mène jusqu'au garage à côté. Petit jardin potager, je veux dire. Tranquille, de build, on entend les petits oiseaux, on dirait que tout va bien, on se croirait presque en Minecraft. On voit quelques petits zombies pas méchants la nuit. Non mais là c'est vénère, là il y a du sang, il y a de l'explosion. D'ailleurs on va faire une entrée avec on va essayer de mettre des pièges à lame. Pour que si les zombies veulent rentrer chez nous, ça déclenche une alerte, ça les attire ou j'en sais rien comment on va faire. On va les faire passer par une entrée où il y aura logiquement des pièges à lame. Et là donc du coup là on se retrouve à 4 blocs ici. Donc là, en fait, on serait qu'à 2 de hauteur, normalement. C'est juste que là, c'est plus haut. Ah non, c'est 4 partout. Non, c'est parfait. C'est juste le sol qui est plus haut dans la maison. On a 4 blocs, 4 de hauteur sur tout le tour. On va aller chercher un peu de bouffe. Je suis accroupi depuis tout à l'heure.
Oh là, c'est loin. On va voir si on peut trouver ça. Rien de moins sûr. Putain, on voit rien avec les arbres. C'est bon, il est là-bas. Purée, mais il y en a deux. Attendez, mais il y en a, il est hyper loin. Où il y en, je rêve où il y en a eu deux. Encore de l'essence, 50%, mais j'en ai dans le... On est dans mon inventaire. Oh purée. Encore des endroits faciles d'accès, ça. Les avions là, à quoi ils jouent? Ils vont nous mettre des endroits. Ils vont nous larguer ça sur la route quand même. Dégage. Tiens, bouffe ça. Bonne patate de forain. Attendez, c'est énorme. Je crois que j'ai pas ça. Il y a percussion. Je crois que j'en ai pas un niveau 5. Je sais plus. Je sais plus combien il est le mien. Je crois qu'il était seulement niveau 4. Pourquoi on voit ce point rouge là-bas? La première fois que je vois ce point rouge là. C'est la tour radio? Un petit chemin en gravier à droite pour aller derrière la maison et construire. Ah ouais, pas con. Ah ouais, ouais, comme ça je pourrais faire une propriété qui va un peu vers l'arrière avec le garage derrière et le jardin à légumes sur l'autre côté. Ouais, ouais, pas con, pas con. Ouais, ça me donne des idées ça. Il va y en avoir des choses à looter ici. Et dans l'autre d'à côté, on a deux gros villages d'un côté de l'autre. On va être bien. On sera installé. Ah mais c'est vrai que j'avais des coffres, ils étaient là mes coffres. Purée, mais j'ai une cervelle de moineau. Bon, en même temps je joue à plein de jeux en même temps. Ils sont tous là mes coffres. Ouais, tout ce qu'on lootait. Voilà, c'était là, on va peut-être même pouvoir. Est-ce qu'on a un ruban? Non. De la colle, non. Alors on a des tuyaux en fer. Ah, elle est là, ma petite tronçonneuse. On a 10 000 d'essence. Là, il y a déjà de tout. Il y a déjà du fer, il y a déjà de l'argile. Mais l'argile, je vais en garder sur moi. Là, il y avait un coffre pour le marchand. Ça, c'était encore vide. Ok. Déjà, on va mettre ça ici. Alors là, attention, parce que ça, on peut le mettre à l'intérieur. Et où sont mes palissades? Elles sont là. Alors là, du coup, je peux le mettre là. Là, je peux pas le mettre, mais si je fais ça... Ah ouais, donc on mettra pas de déco à l'intérieur. Alors, de toute façon, ça va être comme ça partout, ça va être tricky. Hein. Là, je peux mettre ça. Et maintenant, lui, je vais le mettre de l'autre côté, comme ça. Bloc intérieur, donc là je pourrais rien poser.
Mais au moins, on a notre petit balcon qui est propre. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Bam. Petit balconi. Et ici. On va faire une belle ouverture, alors voyons. 1, alors. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ouvrir ici. Il va donc nous permettre de casser ça. Casser ça. Est-ce que j'aime bien construire et faire des petites barrières et des petits trucs qui sont droits et faire des petits espaces et des petits recoins et que tout soit nickel. Régal. Et encore, on n'a pas attaqué la peinture et la disposition des pièces et tout. Voilà. Ça va être vraiment cool de meubler tout ça. Meubler et donner du sens avec la salle de... Pour le labo d'alchimie qui va être sûrement dehors avec les crafters, les ateliers qui vont être en bas, les forges qui vont être au sous-sol, un appartement décoratif avec le lit qui va être ici, les cuisines que je vais sûrement faire en bas parce que c'est bien d'avoir la bouffe à côté du reste du stuff, et en haut ce sera juste une fausse cuisine d'appartement pour faire de la déco et ranger tous nos médicaments et notre bouffe qui sera faite, tous les ingrédients, en bas il n'y aura que de l'ingrédient. Et en haut, il y aura... En haut, il y aura... Les produits finis. Dehors. Oh, faut se mettre dehors. On est chez nous. Je mets là. Non, c'est pas possible. Tant pis, il y aura un petit... Ah non, je vais faire comme ça, tiens. Ah, comme ça, il n'y a pas de petit... Comme ça, ça se colle parfaitement. Ok. Exactement, Triceratops. Ensuite, non, vous allez voir, on va mettre des poteaux de la déco, on n'a pas fini d'en mettre là, on va mettre partout. Alors là, malheureusement, je peux rien mettre. On pourrait faire comme ça. Pour accompagner un petit peu l'entrée. Et pour donner un peu de sens à ce bloc là. Vous allez voir de suite, ça va être plus sympa. Bon poteau bien lourd sur le pied là. Alors là, soit porte, soit... Alors là, je peux rien mettre. Donc je pourrais mettre qu'une porte ici. Par contre, là, je peux. Donc peut-être que là, je vais laisser grand ouvert. Faire juste de la déco. Bon, les amis,
1, 2, 3, normalement on peut tout autoporter. C'est parti pour le toit. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Maintenant, j'espère que ça va tenir. Où est-ce qu'on fait une échelle? Parce qu'il faut bien monter sur le toit pour notre futur héliport. Vous allez voir déjà les fours de la cuisine d'en bas, je sais comment je vais les faire, je les ai fait comme ça sur mon autre partie. Déjà ça a trop de la gueule. Le faire. J'ai enfin réfléchi qu'il fallait faire tout le tour. Alors, est-ce que je fais un tour en pente? Bien sûr que non. Bientôt hors d'eau, hors d'air, comme on dit. Je ferais pas une petite porte en bois vite fait. Le détail, les amis, le détail. Va te calmer, toi. T'as mangé tout le temps, là. Yes. Mais moi, ça, c'est pas mignon, ce petit balcon. Allez, on avance là-dessus, comme ça on va prévoir les futurs projets. Ah, est-ce que je vais m'occuper du garage avant de commencer à penser à l'ameublement? Je pense que oui quand même. Il y a des araignées dans le jeu Satisfactory, oui. 1000 points en tout, incroyable. Okay.
être beau quand ça va être peint. Alors on va pas peindre maintenant. La peinture, ça va être en dernier, je pense. C'est ce qui va donner vie à la maison. La tourelle. Et je rêve ou t'es en train de tout casser? Mais jamais tu touches à ma maison comme ça, toi, mais ça va pas la tête. Non mais oh. La tourelle au boulot un peu là. Attendez, je vais la mettre là plutôt. Voilà, ne rentrez pas. Ouh, ne passerez. Ah. Oh non, 78% de santé. Ah, d'accord. Mais j'en ai mangé deux ou quoi? Non, c'est bon. Ok. Alors du coup, je peux plus remonter là. Et en faisant ça. Simplement. Allez, on continue. Ouais, Zombo, ça m'a donné envie d'aller au McDo, je vais faire une pause, je vais aller me faire un McDo. Satané, mais putain, mais... Arrêtez! C'est vrai que je suis blessé. Que je vais pouvoir finir ce toit. Là, c'est bon, j'ai fait tout le tour. Yes. Toujours en tête que Ron avait joué à Beam Engine Drive. Non, alors que jamais que j'aurais le voir sur des voitures sans doute. Ouais, c'est un très bon jeu, Beam Engine Drive. Et un Big Mac. En plus, j'ai mangé un burger à midi, un énorme burger. On s'est rincé, on a pris deux entrées. On a bouffé à la plage, il faisait trop beau, il était 15h d'ailleurs. On s'est levé à midi. Et j'avais pas faim du tout. Et ça y est, là, c'est en train d'arriver, c'est arrivé 20h49. Je pense que je vais aller à 23h faire une pause d'une demi-heure, aller me faire un McDo et revenir streamer jusqu'à 1h ou 2. Histoire de bien avancer sur cette maison. Là, on a des arbres qui nous attendent. Déjà, la tronçon, c'est cool. On va utiliser cette petite tronçon. Alors, je pense que je vais mettre l'échelle plutôt dans cette partie-ci pour monter. Je vais la mettre dans cet angle, non? Non mais je pourrais... Ah ouais, je peux pas la mettre là parce qu'il y a le poteau. Est-ce que je la mets... Je pourrais la mettre ici, en plein au milieu. Je vais la mettre là, tiens. Changerai par des belles échelles, mais au début on va mettre ça, je pense.
Et voilà. Ah non, je vais peut-être pas faire ça. Je vais enlever celle-là et on va mettre une trappe. Ok. Nice. Les amis, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes officially à la maison. Alors voyons. Ici je fais de la déco à l'intérieur. Là je peux pas en faire à l'extérieur. Mais là je trouve ça quand même assez pauvre. C'est pauvre. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais tricher. Alors. Alors là, j'aimerais bien placer ça ici. Oh, quoique, je peux laisser ça juste comme ça. Un peu dommage, j'aurais bien aimé faire une partie haute. Mais pour faire une partie haute, je pourrais la faire ici. Il ne faudrait pas que ces blocs... Il faudrait que je mette ces blocs au-dessus. Je mets ces blocs au-dessus et ils vont dépasser... Ils vont dépasser comme ça. Ce que ça donne. Du coup là je peux faire ça. Du coup là je peux les mettre là. Là, je les transforme en poteau. Mettre ça comme ça. Et là, on a une petite déco intérieure, une petite déco extérieure. Bon. C'est ce que c'est. C'est comme c'est, mais c'est comme ça. Ah! Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Faut baisser un peu la tête. Hein. Mais ça passe quand même. Allez, on va aller couper un peu de bois. Oui, une bouée. La tronçonnette. Porky, mon kiki. Attention les oreilles. Ça devrait pas durer trop longtemps. Thank you.
la pluie de calage. Et encore, c'est un niveau 1. Ou péter. On va se faire un petit havre de paix avec des petits arbres et tout qu'on va replanter au fur et à mesure autour du jardin. Ça va être nickel. Là, il y a plein de ressources ici. Ah ouais, là on plaisante pas là. Regardez ce petit arbre tout neuf. Ça sert à rien de tuer. Ok. On dégage la zone. Pas très beau ces deux poteaux aussi proches l'un de l'autre. Je pense que je vais les écarter de 1. Là c'est pas tip top comme ça. Alors poteaux qu'on peut pas renforcer mais que je peux renforcer avec ça du coup. Ah si, les poteaux je peux les renforcer. Donc on va pas les renforcer avec ça. On a 2000 de bois. 50 comme ça. Et arrête de te plaindre et de taper au carreau là. Sors. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton problème? Réfléchis, zombie. Coucou. Voilà. Allez, viens. Je vais te tirer une petite balle dans la tête, viens. Oh. Tu vois, ça va mieux maintenant. Alors ces poteaux là, c'est vrai que ça va pas du tout ça. Ok, 97. On va porter 102. Là on va faire des blocs. Pas du tout, on va faire des poteaux. Les poteaux on va les mettre là. On a deux boîtes, une sur l'autre. Ok. Par contre, j'ai pas de sable. Je peux en faire, mais je vais pas bousiller la zone à côté de chez moi. Alors le chemin, on va pas le faire maintenant. Donc ça, on n'a pas besoin. Ça, on va le garder. Dégage, ça, on le garde. Super, on va trouver ce qu'on n'a pas besoin là. Voilà. Ok, ça on va le poser pour le moment. Donc, on peut fabriquer du grillage, il y a eu 10 embouts, il me semble. J'aimerais bien fabriquer comme des barbelés, là, des trucs comme ça, là. Je peux pas en faire des grillages comme ça. J'aimerais bien récupérer ça.
Voilà, on a beaucoup d'espace à l'extérieur. On a beaucoup d'espace. Donc, est-ce que le garage ne serait pas ici au final ? Car les voitures ici, je mets l'atelier de chimie de ce côté-là. Ouais, je pense que je vais faire un truc compact. L'atelier de chimie, ce serait bien qu'il soit couvert. Bon, voyons, on va s'amuser un peu. Alors ça, est-ce que je le bouge ? Sinon, comment ça va se passer ? Alors ici, je peux faire un petit bâtiment éventuellement, mais juste un auvent. Juste un petit auvent. Alors attendez, je réfléchis. Hein. Là, il y a ce petit balcon qui est là. Et pourquoi ce toit, je l'ai pas fait un cran plus haut ? Ok, ça, je vais le refaire. Et comme ça, ça va me permettre de penser à faire un autre avant-toit d'un autre côté. Venez, les zombies, je vous attends. Ah, pourquoi je l'ai pas fait un cran plus haut ? Parce qu'il y a ça. Ça, c'est pas un problème. Là donc il y a l'escalier, mais là je fais ça. Et là je fais ça. On est bon. Et maintenant on va virer ça. Un problème ici. C'est ça que j'avais mis l'avant-toit à cette hauteur. On a un problème. C'est vrai, pourquoi j'ai pété tout ça ? Non, mais ça sert à rien, faut que je le remette. Et là, je peux pas à cause des escaliers là, parce que les escaliers sont contre le mur. Donc là, si ça continue, faut que je mette les blocs à l'intérieur, mais je peux pas mettre les blocs à l'intérieur, c'est celui-là qui me gêne en fait. Là, je pourrais dans le chemin, mais là, je peux pas. C'est ça que là, j'avais fait un avant-toit. Là, je peux mettre les blocs dedans, mais là, je peux pas. Ah, oh, bon, bah, on va refaire pareil. J'essaie de trouver quelque chose d'autre à mettre, mais j'avais déjà réfléchi, c'est vrai, j'aurais pas dû l'enlever. Et on va donc remettre ça hein, à la même hauteur.
Par contre, je vais le faire aller jusque là. Le voici. Je vais le faire aller jusqu'au bout derrière, ça va être plus sympa. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va aller, on va dire que ça va aller. 2, 3, 4. Déjà c'est un peu mieux. Non, je peux pas mettre les poteaux autour parce que là je te dis j'ai ce problème ici là. J'ai ce problème d'escalier. Là vu que j'ai un bloc d'escalier, je peux pas passer la petite barre devant. Si je mets cette plaque, je peux plus mettre la barre en bois. J'suis obligé de faire comme ça. Pour cacher le trou de l'escalier. De ce bloc là que je viens de poser. Et c'est là où je vais utiliser ça en fait. Parce que là je peux pas renforcer ces poteaux. Ah je les ai posés. Bon voilà, si ces poteaux ils cassent, je les mettrai en métal. Ah c'est vrai qu'il y a une porte ici aussi. Alors, porte de garage 5 par 3. 1, 2, 3. Attendez, 5, il a fait 5, il a fait même pas 6. Attendez, est-ce que je mettrais pas une grande porte comme ça? Mais elle fait 5 par 3, 5 blocs. Elle fait 5 blocs. Combien j'ai de blocs là? Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je réfléchis les gars à ce que je vais faire. Ah ouais, c'est clair, la nuit c'est infâme. La nuit dans les jeux vidéo c'est horrible. Bon, je pense que je vais commencer à déménager. Hein. Et emmener tout mon matos pour voir un peu où je mets les ateliers de chimie et tous les tralala.
Donc, ici, il y aurait une entrée. On va s'occuper de ça déjà. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. Ouais, bon, on va y aller au pif. Alors faut bien faire gaffe sur quel bloc on pose quoi. Sachant que là ça j'aimerais plutôt le mettre sur l'extérieur, du coup faudrait que je mette. Ok, ça je faut que je le mette après parce que ça va me perturber, mais faut vraiment savoir sur quel bloc on pose quoi, parce que ça c'est que des petits bouts de blocs, mais ça prend la hitbox d'un bloc complet évidemment. Donc faut voir où. Vous voyez, si je mets sur ce bloc là ou sur ce bloc là. Ah, je pense qu'en fait je vais mettre sur ce bloc là. Ouais. Normalement ouais. Ça, ça va me permettre de poser des autres plaques. Ok, donc. Pardon. De Velux, il y avait ça avant quoi. Alors ok, voyons. Qu'est-ce que je peux mettre comme premier bloc pour mettre ça après? En tout en haut, tout en haut. Là, il est sur la partie haute. Là, il faut un bloc plein. Oh, c'est la merde, je peux pas trop mettre ça. Alors, je le mets comme ça. Ah, du coup, c'est pas possible. Comme ça, ça va être moche. Yes. Donc on va pas faire comme ça, on va faire plutôt comme ça. Et là, on va juste faire ça. Si c'est pas trop moche d'avoir cette structure qui est indépendante juste à côté du gros bâtiment, si ça choque pas. Et le jour se lève. Déjà un jour de passé à build. Même deux. Ouais, ça fait déjà 59, 56, 50. Ouais, certainement. Oh, je suis, ça y est, je suis perdu dans mes pensées de construction.
Et alors voyons, comment ça rend. Ah, pardon. Un cyclomoteur, c'est un 50. Ouais. Et c'est vrai qu'on grimpe là-dessus. Et... Que je bourre la mule ou pas? Alors c'est là où on va tricher un peu parce qu'on va le mettre de ce côté. Valérie, 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 Valérie. Et... La déco les amis, la déco, on y revient. Très important, dans un jeu de zombies, on va avoir des petits poteaux là, posés sur le haut des balustrades. Regardez ça, ça donne pas un effet supplémentaire à la construction. What? Voilà comment on découpe des chiens chez le boucher. On mange du chien chez le boucher. On est où? Ok. Pourquoi pas cette petite excroissance? Pourquoi pas? Mais bon, j'aimerais bien quand même. Ah! Ah! Simi. Ensuite. Attendez, c'est en fer forgé ça? Non, c'est en fer tout court. Fier. J'en ai du fier.
Je vais tout faire solide. Pourquoi? Parce que. C'est parti. Oula, oula. Ça coûte cher. Oh là là, mon dieu. J'espère que ça va être solide. C'est joli ces petites plaques aussi là. Ça nous fait un bel espace. Allez, on continue. Alors ça devrait pas sortir de ça en fait. Voilà, voilà. On va plutôt se mettre là. Faire un truc tout simple comme on a fait sur l'autre côté. Ah. Ah non, 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 non. Ah. Non, le bloc est pas entier là, on peut pas. C'est sûr qu'on peut pas. On peut pas faire toucher ça là, c'est sûr. Impossible parce qu'il y a ça au-dessus. Non, j'aurais pu. Par contre, je peux faire toucher ça ici. Ah! Est-ce que je mets ce poteau? Non, je mets pas, hein. Merci Guigua. Hey. Non. On va juste mettre ça là. Là 45, allez, dans un quart d'heure, j'aurai une petite pause. Goy, ça roule, mec. Moi, j'aime bien t'appeler Guigua. C'est rigolo. Guigua, bon, c'est plus... J'aurais plus tendance à l'entendre, mais Guigua. Il s'appelle Guigua. Ok. Si, ok. Et là, ben...
On dirait un poisson. Un petit gigouin de rivière. Ok. Alors, est-ce que je ferme ici? J'aimerais bien faire une porte. La puerta, chaval. Il nous faut un atelier. Est-ce que je commence à tout emmener? Je commence à tout emmener. Allez, c'est parti. On va faire ça. On va faire un petit quart d'heure de route. Il va nous ramener à la base. On va tout prendre dans les coffres. Et on va revenir pour continuer de build. Et on va continuer de build après que j'aurai fait ma pause jusqu'à, je pense, demain, il faudrait que je fasse des vidéos tôt parce que j'ai plein de choses à faire et j'ai plein de VOD de la chaîne Gaming Speed Live à foutre en live. Ça va me prendre des heures à foutre en vidéo. Ça veut dire que là, ça va couper du bois de manière intensive. Voir l'ombre d'un oiseau. Waouh, c'est beau, regardez ça. Sympa de ce côté là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Après, le garage, je peux le faire ici. Hein. Je peux poser. Ah, je savais bien qu'il y avait un piaf. On a de la peau, je pourrais presque faire une forge, dis donc. Et ils veulent ma mort? Ils croient que je vais mourir? Qu'est-ce qu'ils attendent là? Sale bête. Vous croyez quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent ici ces piafs? Alors tout ce qui est construction, on va le mettre avec la partie construction. On va mettre ça dans le dernier coffre. La bouffe avec. Je fais ça. Et on va les laisser là. Les clous, je vais les prendre avec moi. Pour le minage. Ok, on est prêt à se barrer. Donc je vais ramener tout ce qui est forge et tout ça. Je vais commencer à les placer. Et comme ça, je vais pouvoir construire une porte. Ouais, mais là, à moins que je fasse un... Est-ce qu'on peut faire un grillage? J'ai pris une horde d'oiseaux, ah ouais. Zombo, est-ce qu'on peut faire du grillage qui ressemble à des trucs comme ça, là? J'ai envie de me faire une petite enceinte de grillage autour de la maison. Est-ce que je peux faire des trucs comme ça? Comme ça, je pourrais mettre un portail. Que ça, on peut fabriquer. Ça fabrique ça? J'aimerais vraiment faire des trucs comme ça, quoi. J'ai pas l'impression qu'on puisse. Ou c'est clôture en fer? Peut-être avec ça là? Avec des blocs de structure en fer? C'est ça qu'il faut que j'ai? Ils sont à la forge. Nope, c'est avec quoi? Vas-y, dis-moi, comment ça s'appelle? Allez, réponds là, au lieu de me faire languir. C'est avec ça aussi?
Si on peut, ça serait trop stylé. Ouais, comme ça, je pourrais mettre mon... Bon, le temps que je parte à la maison, vous allez me dire. Attendez, qu'est-ce que j'ai dans la moto? Et l'heure! Dans la forge, il me semble. Ah, ok. C'est dans la forge directement, ça marche. It's in the forge. Rambard, peut-être. Attends, je vais regarder. Rambard, c'est avec un... Non. Yes, papa! Trop bien. Oh yambe! Alors je suis trop content. Voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pas si je vais vraiment fermer tout le tour. J'en sais rien. Je vais essayer de faire juste une petite clôture devant en fait. Une mini clôture qui va être attachée à la maison. Je pense que je vais essayer de faire. Je me casse comme ça vraiment. Là c'est plutôt vide, ça me dégage. Ça je garde la clouteuse j'ai sur dans les mains. Des carreaux d'arbalète, 111 balles. Ouais, on part avec ça déjà. Et, ah oui non. Non, 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 tellement pas. Je fais des interrupteurs, j'ai tout ce que j'ai pris d'électrique, je l'ai là, j'ai toute la peinture. Pour vous dire qu'on est pas mal. Alors, YouTube, je vais couper la VOD maintenant parce que là, je vais faire que de la route et je vais couper après. On s'est bien préparé. Mon stuff a bien évolué, c'est clair. Je vais faire moi une petite pause là actuellement et on va se retrouver pour une prochaine VOD ce soir sur le même live. Et on va continuer la construction de la base, on se reverra certainement à la base pour refaire le voyage. Ou tiens, je ferai le voyage hors VOD, on reprendra la VOD ici avec tout le stuff. Donc, des bisous, à très vite.